Et je passe la parole à Madame Marianne Chapdelaine. Ah, voilà. Bon. Alors, je continue avec Madame Françoise Descamps-Crosnier. Merci Madame la Présidente. Trois questions, Mesdames les Ministres. Une question générale sur les finances publiques locales, une question territoriale et puis une question particulière sur cette mission budgétaire. Alors, tout d'abord, première question, l'effort de chaque acteur public est sollicité, on le sait, pour atteindre l'objectif de rétablissement des comptes publics. Il est souhaitable que chaque levier d'économie n'impactant pas les dépenses essentielles de la croissance soit mis à contribution. Dans cette optique, le sujet des normes apparaît essentiel. On connaît le travail considérable qui a été mené ces derniers mois sur le sujet, qu'il s'agisse du rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative du mois de mars, des décisions prises lors des trois comités interministériels pour la modernisation de l'action publique, ou bien encore les travaux en cours pour réformer la commission consultative d'évaluation des normes. Je souligne même, on le sait bien, que c'est un sujet qui fait consensus sur les bancs de l'Assemblée. En témoigne le vote à la quasi-unanimité le 26 février 2013 sur une proposition de loi allant dans un sens de simplification en ce domaine. Comment le gouvernement considère-t-il les gisements d'économie qu'on voit ce chantier de simplification des normes au regard de l'objectif de rétablissement des comptes publics que porte ce projet de loi de finances? Pouvons-nous aller plus loin et plus vite? Et quelles sont les prochaines étapes du point de vue du gouvernement? Deuxième question. Élu des Yvelines, dans cette grande couronne francilienne pleine de paradoxes ou tout au moins très hétérogène, je m'interroge sur l'impact qu'aura ce projet de loi finance sur les collectivités territoriales, notamment sur les collectivités territoriales relativement défavorisées dans les départements qui le sont beaucoup moins. Plusieurs mesures bienvenues tendent à renforcer la péréquation horizontale et vont naturellement venir augmenter la contribution des territoires relativement plus riches que les autres. Sur ces territoires riches, il y a des poches de difficultés, voire de pauvreté. Pour que ces territoires voient les projets de développement qu'ils portent aboutir, il convient que leurs équilibres financiers ne soient pas remis en cause de manière abrupte. Il est tout à fait envisageable que les cofinanceurs riches de ces projets situés sur les territoires pauvres puissent remettre en cause leur participation en tirant prétexte des contributions supplémentaires qui leur sont demandées au titre de la péréquation horizontale. Comment le gouvernement compte-t-il traiter ce problème potentiel et y a-t-il une vigilance particulière à ce sujet? Troisième question, il y a lieu de se réjouir, au titre de la justice territoriale, de l'augmentation des dotations composant la péréquation verticale, notamment en ce qui concerne les collectivités du bloc communal, ainsi que des mesures en faveur d'une plus grande péréquation horizontale. Estimez-vous que les indicateurs employés pour juger de l'efficacité de ces péréquations 2.1 et 2.2, uniquement basés sur des aspects quantitatifs, c'est-à-dire des volumes financiers, sont suffisants pour juger de l'efficacité redistributive des péréquations? Ne faudrait-il pas que pour le prochain PLF, le gouvernement soit à même de fournir des indicateurs qualitatifs, pardon, au contraire, pour que nous puissions être à même de jauger au mieux l'impact de cette péréquation? Merci. Merci.